Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une fameuse vidéo. Je vous avais dit que je vous en parlerai dans une autre prochaine vidéo. Que j'ai acheté chez Action et je vous en parlerai si j'ai été convaincue ou pas. Vous montrer cette petite vidéo pour vous dire ce que j'en ai pensé des produits que j'ai utilisés chez Action. Vous allez savoir mon avis. Donc c'est parti. De l'huile de ricin. Pourquoi j'étais super contente de cette huile? De un, elle est 100% naturelle. Appliquée sur mes cheveux secs, j'ai mis sur mes pointes, mes longueurs et mes racines. Finalement, je l'ai laissé poser toute la nuit. Donc, j'ai mis partout aussi, comme je vous ai dit. Et j'ai fait deux tresses pour avoir plus facile. J'ai dormi avec. Et le matin, je me suis lavée. J'ai fait mon shampoing normal et un deuxième shampoing. Et puis après, j'étais super contente parce que quand ils étaient bien séchés, mes cheveux, ils étaient super doux. Et je vous en parlerai un peu plus tard s'ils ont poussé ou pas. Là, j'ai déjà utilisé un tout petit peu, vraiment rien du tout. Maintenant, on passe au deuxième. J'ai testé le gommage spa. J'ai fait deux fois la semaine. Alors, c'est un gommage spa, comme je vous avais dit. Il y a des petits grains qui rentrent bien dans votre peau. Et la texture, j'ai mis sur ma peau, sur mon corps, sur mes cuisses. Et bien sur les jambes, et j'ai essayé de masser en mouvement circulaire. Par contre, ce que j'adore, il y a 500 grammes, même pas pour 1,75€, je sais plus le prix, mais je vous avais déjà mis dans l'ancienne vidéo tout ce que j'ai acheté chez Action, Haul Action, je crois, et j'avais mis tous les prix, tout ce que j'ai acheté. Mais par contre, 500 grammes, même pas pour 2€, c'est pas cher du tout. Je vous le conseille. Moi, je l'ai adoré. Et quand vous l'appliquez sur votre peau, quand vous allez masser, vous allez voir que ça fait une petite mousse. Et je trouve qu'elle sent super bon. Celui-là, c'est le gommage au café. Je vous avais dit que je suis pas fort café, mais que j'en buvais de temps en temps. Celui-là, c'est au café fort face et body. Donc, c'est pour le visage et le corps. Donc, je trouve qu'il est super. Sur le visage, je ne l'ai pas encore testé. Mais par contre, sur le corps, une pépite. Pourquoi une pépite? Quand je l'appliquais sur ma peau, vous sentez le café toute la journée. Je l'ai mis deux fois, je pense aussi celui-là. Et franchement, je n'oublie pas l'odeur. Moi, j'adore. Il sent super bon. Les grains sont parfaits. Pour moi, je trouve qu'il est bien. Donc, je vous le conseille aussi. Je vous parle maintenant, make-up. J'avais pris des éponges Beauty Blender. On m'a dit de les humidifier avec un spray pour qu'ils soient un peu plus mous. Que j'avais pas mouillé, donc que j'avais rien fait. Et je trouve que quand j'applique mon fond de teint, c'était trop dur. Maintenant, je trouve qu'ils sont quand même durs. Je ne les ai pas encore testés avec le spray pour mouiller, pour voir beaucoup plus facile, qu'ils soient beaucoup plus mou. J'en achèterai plus. Vous avez montré les cotons réutilisables de chez Action. Je l'ai testé une ou deux fois pour enlever mon maquillage. Franchement, c'est de la bombe atomique. Je l'ai adoré. Vous mettez de l'eau ou de l'eau micellaire. J'ai tout enlevé mon maquillage que avec un seul ou deux trucs comme ça. D'habitude, avec un coton jetable, j'en utilise 4 ou 5. Et là, j'en ai utilisé que 1 ou 2. Pour moi, il a été super et j'étais convaincue. Donc, j'en rachèterai. Je vais peut-être acheter la lingette démaquillante qu'on met sa main. Et quand je retournerai chez Action, j'achèterai encore quelques trucs. Et si vous voulez, je vous ferai encore une petite vidéo du haul Action. On va parler des masques. Maintenant, vous savez bien que celui-là, je l'ai adoré. Depuis que le confinement, je l'ai adoré. Donc pour moi, il est bien. Ma maman l'a essayé la semaine passée. Franchement, elle a été super contente de l'avoir testé. C'est une bombe atomique. Mais par contre, j'aurais préféré le rouge. Alors celui-là, je vais pas dire que je le rachèterai pas. Mais pour moi, je vous le déconseille. Pourquoi je vous le déconseille? Vous voyez un tout petit peu votre nez. Vous allez mettre ce petit truc là et l'appliquer. Déjà, il fait pas tout le nez, donc c'est un petit peu ennuyant. Donc vous l'appliquez, vous mouillez un tout petit peu, vraiment rien. Puis vous laissez, je pense, 15 à 30 minutes, mais je ne suis pas sûre. Je ne sais plus où j'avais vu
15 à 20 minutes. Ah, sur la notif. Donc, sur la petite étiquette qu'on a toujours dans des boîtes, même dans la pharmacie et tout, je l'ai mis, comme tout le monde. 30 minutes après qu'il est passé, j'ai voulu tirer. Je ne savais même pas tirer, tellement qu'il faisait super mal. Je tirais des deux côtés tellement que je pleurais parce que ça tire ici, ça tire là. Et après, j'étais toute rouge. Moi, en tout cas, je ne les rachèterai pas. Ça, c'est clair et net. Celui-là, c'est le masque à l'aloe vera. Je vais vous en parler. De toute façon, je vous mettrai la vidéo ici, comment je l'ai mis quand j'ai fait un TikTok. Je vous avais en parlé qu'il était vegan et qu'il avait 20 grammes. Il m'a fait... franchement, je vous dis vraiment la vérité, je l'ai adoré. Et le dernier masque, je n'ai pas utilisé tout, j'en ai utilisé que deux de masques. J'ai regardé sur l'application Yuka, un truc comme ça, et il dit que l'aloe vera est super bonne, l'huile de ricin, ben on voit pas le code barre, donc on sait pas dire s'il est bien ou pas. Mais par contre, celui-là, à ce qui paraît, il est excellent ou médium, je sais plus, un truc comme ça. J'étais en appel avec mon copain, quand je l'ai testé, donc je mettais la partie là et puis la partie là, je trouvais que ça s'enlevait à chaque fois. Donc moi, je me suis dit, c'est nul. Par contre, il a rien fait sur ma peau. Ma peau était comme d'habitude. Moi, je ne sais pas vous dire si je vous le recommande ou pas parce que il a l'air quand même bien. Mais moi, en tout cas, pour ma peau, il n'a pas... ma peau était encore normale, elle n'était pas douce. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à vendredi prochain. Bisous!